Allez, salut tout le monde, chasseurs de trésors sont de retour, les chasseurs de trésors avec mon ami Didier. Ça va, ouais, Didier? Ça va très bien, regarde où on est. Qu'est-ce qui se passe derrière? Regarde, je fais un petit panorama derrière, tu vois? C'est sympa. Sympa, ouais. Il y a un petit accent suisse, dans le... j'ai l'impression. Ouais, il y a un petit peu. Ouais, il y a un petit accent. On aurait dû faire l'intro comme ça. L'intro, ah, bonjour tout le monde. Salut tout le monde. C'est les chasseurs de trésors. On est en Suisse. Pas tout à fait. On n'est pas loin de la frontière suisse, effectivement. Pour un nouvel épisode un peu particulier, normalement vous devriez le voir derrière nous. Il y a quelques détectoristes et puis le cadre est assez idyllique, on est sur un hippodrome. Ah ouais, c'est super. Voilà, on a été contacté pour rechercher des broches qui ont été plantées et perdues et qui peuvent potentiellement être dangereuses pour les chevaux. Absolument, oui, parce qu'ici on est sur une piste de galop. Et donc de galop par rapport à... Ah oui, pas galop romaine. De galop, okay. Avec un P à la fin. Non, il y a deux pistes, une piste cendrée pour le comment on appelle ça, le sulky, hein, ouais. C'est-à-dire ouais. Une course appelée, voilà, cherche le mot. Et puis sinon, on a ici des courses qui sont faites au galop, quoi, voilà. Ok, bon, on est une petite dizaine de détectoristes pour rechercher ces objets perdus. Mais c'est assez, ouais, on est bien. Ouais, on a la bonne franquette. Et puis on va essayer de trouver ces barres, ce sont des grosses barres, hein, on va essayer de les trouver. Okay. Allez, c'est parti. Go. Alors mon Didier, t'en as combien de broches là déjà? Trois broches. Trois broches. Donc on leur dit qu'on peut arrêter ou on continue? Non, je les ai remises pour qu'ils puissent s'amuser un peu, tu sais que c'est trop rapide sinon. C'est forcément en surface, hein. Ouais. C'est horizontal, ça dépasse forcément un peu. Ah mais c'est un golf à côté. Ouais, c'est un golf. On est vraiment pas loin de la Suisse. Ah ouais, alors là par contre. Alors ça... vous avez trouvé quelque chose? Bah non, rien du tout. Rien. C'est un scandale. Je te le dis tout de suite, j'ai fait 5 heures de route. Tu croyais pouvoir. Pour ne pas trouver d'or, Alexis. C'est dingue. Et on est près de la Suisse, ils sont où les lingots? J'ai venu pour ça. Ils sont de l'autre côté, ils sont derrière. Ah, je suis énervé. Alors ça mord, monsieur? Bah écoute, pour le moment. Rien. Pas encore, mais ça va venir. Ouais, je te le souhaite. Hein. Ah ouais, c'est que le début là. Vous en trouvez une, ce serait sympa. Ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Là, voilà, ouais. Ouais. Vraiment, faut y aller, faut creuser. Là hein. Où il y a le trou, ouais. Ça va être encore un fer, vous allez voir. Ah ouais, c'est un truc, fer là. À tous les coups. Ah oui, il est là. Ah oui. Il est là, ouais. Ouais, bah c'est un fer. Un cheval, je pense. Ouais. Ah bah là, on va en trouver. Ah. Non. Une clé de quelque chose. Une 13. Une clé de 13. Ah, ça sonne bien. 06 et puis là-bas, la barre, je l'avais testée, elle était à 06 chez moi aussi. On entend bien. Hein. Faut qu'on vienne creuser. On va regarder, ouais. Ouais, ça sonne bien, on l'entend. Hein. On l'entend dans ton casque. Allez. Balle de golf. Non, plastique. Non. Ah, une balle de golf. Ouais. Ah. Ah, tu l'as. C'est pas ça. Non, mais ça, des sons, il y en a partout, hein, les trucs. C'est marrant qu'il ait déterré une balle de golf. Ouais, tes impressions après cette magnifique trouvaille? Les performances du Deus jusqu'à la balle de golf, c'est top. Ça, et là, je suis. T'as vu un peu le Deus, il trouve des balles de golf quand même, c'est pas rien. Des balles de golf. Y'a quelque chose, Greg? Oui. C'est vrai? Ça sonne trop bien pour être honnête, Alexis. Ah. Là, il y a une nette. Ah. Moi, j'ai un gros truc en surface, là. Et... Bah, faut y aller, hein. Bah oui, bah, c'est, tu vois, ça fait cette taille-là, donc c'est à peu près la taille du... Ah. Du truc. Donc, c'est juste là. Alors? On va voir. C'est étrange dans ce sens-là, mais...
C'est dans la première ligne. Hein? Non, c'est pas quel la pessimisme. Ouais, on a déjà trouvé deux. Ça devait déjà être la deux. Il y en a déjà deux de sortie? Non. Mais il y en a une quand même de sortie. Non, c'était une fausse en fait. Il l'avait mise pour vérifier le son que ça faisait. Et je me suis fait avoir moi aussi. On a fait. Ce matin, tu me disais, ça se trouve, en 5 minutes, on l'a retrouvé. Ouais, c'est vrai. T'as vu la taille de la piste. Alexis, on en a pour 3 jours là. J'ai eu l'espoir, mais après, je suis venu. Ah, tu vas finir en enfer avec du Garrett là dans les mains. Je voudrais quand même préciser que t'as un Garrett. Hein. C'est un Garrett qui a noirci là. C'est bizarre ce qui s'est passé. Bah, je sais pas, mais en tout cas. C'est un vieux Garrett ça. Il est fond jaune maintenant. J'ai peut-être un réglage trop puissant. Ah, non, tiens, ça y est. Ah, mais là, à cette surface là. Et t'as pas de gants? Pourquoi faire? Allez, on touche au but. C'est quoi ce type? Vous êtes vacciné au moins? Oui. Body, là? Ah mais. C'est un petit pointeur. Ah oui. Ah, et puis, en direct, je suis content. À 6 mètres de profondeur. N'empêche que, ouais, ça sonne quand même. Ouais. Tu t'en sors bien. Ouais. Ah bah tiens. Sion. Ah, c'est vraiment que je change de réglage. C'est exceptionnel ton réglage. Super. Donc si on veut des réglages, il faut aller sur ta chaîne YouTube, c'est ça, hein. Rappelle-nous ta chaîne, c'est... Tout ça poil. Non, poil. C'est Chasseur de Trésors. Non mais tu vois, dès que je suis avec vous, ouais. Ils l'ont dit sur Facebook, j'ai mis une photo ce matin, ouais. Ils m'ont dit c'est bon, vous allez trouver de la ferraille avec les trouveurs de merde. Oui. T'as sorti ça là, c'est une clé avec un truc triangle. Ah oui. Et de ce côté, quand c'est pas tordu, ça doit c'est assez, un truc un peu canalisation de pompier là pour les. Ah colliers. Oui, d'accord. Okay. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une hippo sandale. Ouais, c'est une hippo sandale. C'est pour faire du cheval sur les sols souples. Ça t'évite de le ferrer et ça t'évite de payer un ferrage. Voilà. Ok. Ah bah non, même pas. En même temps, il est quand même ferré. Un comment hippo sandale. Faire brère, c'est. Vous connaissez pas les hipposandales? Pas du et les coup. Romains utilisaient des hipposandales, Alexis. Ah ouais, bah c'est peut-être romain ça. Didier, tu peux nous faire prof. Une petite minute historique là. C'est prof. Prof ouais. Didier. Prof, fais-nous une petite minute historique sur l'hipposandale, s'il te plaît. Salut mon Greg. Oui. Alors si tu permets, je vais aller chercher l'objet. Et puis on va parler de ce que tu appelles toi une hipposandale, mais t'as un doute. On va aller voir ça. Bien, bah écoute, tu as vraiment raison d'avoir un doute, hein, parce que en fait, c'est pas du tout une hipposandale. Mais bon, on va expliquer ça. Juste besoin de la place. Waouh, m'impressionnera toujours. Bon, alors, bien, bah écoutez, avant de continuer à parler de cet objet-là, je vous propose de venir avec moi dans un endroit que vous connaissez maintenant et qui est ma bibliothèque. On y sera beaucoup mieux. D'abord, il y aura moins de vent, et puis en même temps, ça me permet de vous montrer un livre qui va nous permettre de comprendre à quoi cet objet peut servir. Je vous montre, hein. Alors, voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous avons le mot « boîterie » qui apparaît. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, c'est la nature de cet objet-là, qui n'a rien à voir avec l'hipposandale. Cette création, hein, qui est composée d'un fer à cheval, ici en aluminium, et d'une plaque amortissante, a pour raison d'être de contrer les effets des taillons, des vibrations, hein, sur des terrains un peu secs. Le pied du cheval reçoit énormément de vibrations, et ceux qui sont blessés ou ceux qui sont sollicités très très souvent, avec une petite faiblesse dans le pied, on va utiliser cet objet. Donc il est tout simplement coincé, la plaque va être coincée entre le bas du sabot et le fer à cheval. Voilà. Mais on va rester là parce que ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. On va parler de l'hipposandale. Très rapidement, je vous montre les hipposandales modernes, celles qui sont aujourd'hui utilisées. Voici plusieurs modèles. Elles sont utilisées pour principalement deux raisons. La première raison, c'est de protéger le pied du cheval, qui était l'origine hein, même de l'hipposandale. Et aujourd'hui, on s'en va vers plutôt l'utilisation pour remplacer, par certains moments,
le faire à cheval auprès de certains chevaux, et notamment ceux des compétitions. Mais bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les anciennes hippocampales. À quoi pouvaient-elles ressembler dans l'Antiquité? Eh bien, elles ressemblaient à ceci, voilà. Vous avez plusieurs modèles qui vont apparaître derrière moi, et je voudrais vous, d'ailleurs vous dire que ce que vous voyez à l'écran sont des hippocampales qui sont dans des musées à travers l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elles ont été découvertes, elles n'ont pas été découvertes en tant qu'hippocampales. Les archéologues de l'époque, du 19e, ont mis du temps à la relier au cheval. Et d'ailleurs, je vais vous montrer là, voilà, je vous montre la façon d'utiliser la fameuse hippocampale. Vous voyez qu'en fait, on va utiliser ici des tissus, des bandes de tissu pour attacher. On pouvait utiliser aussi du cuir, hein, des bandes de cuir. Enfin bref, les Romains utilisaient cet objet comme ceci. Mais quel était l'usage en réalité? Ok, on est sur un usage sur le sabot, mais pourquoi? C'était de l'hypiatrie, c'est-à-dire qu'on va soigner le cheval d'une maladie du sabot, d'une déformation du sabot, en remplacement du fer à cheval, déjà existant ou pas encore existant, ça encore c'est un autre débat. En étudiant et en préparant cette intervention, je me suis intéressé à une hypothèse, moi, qui me séduit. Alors, c'est l'hypothèse d'un Français qui est M. Armand Lombard-Dumas. Il avance l'idée que c'est une protection militaire pour les sabots des chevaux. Bien, allez, je vous laisse en compagnie de l'équipe pour la recherche des trois barres. Je pense qu'on n'est pas loin de la trouver, la première, pas loin. Je vous laisse en compagnie et puis j'espère que on se retrouvera très bientôt pour d'autres objets. À bientôt. T'en as un ? Ouais ! Alors, elle est pas bonne la technique ? Bien joué, c'est lui ! Voilà ! Bien joué ! Une de trouver. Et voilà ! Ah, bien joué. T'as vu ? Bien joué, Greg. Ah ! Elle est où la broche ? C'est ça, là ? Fais voir, sors là, pour voir. Donc c'est ça. Super, ok. Bien joué de toi. Ah oh, mais c'est au hasard. Alors, ton ressenti, t'es heureux? Ah bah écoute, oui, je suis heureux pour tout le monde, surtout parce que on cherche. On est venu pour ça. Non, alors on s'est dit que pour gagner du temps, en fait, on allait utiliser une bombe de marquage, il y a Alexis qui marque, les sons qui sont repérés, et derrière on passe avec un appareil qui est calé très finement, et comme ça on gagne énormément de temps. Et là la preuve c'est que on a passé 1h30 ce matin, on n'a rien trouvé. Et c'est là vrai. En quelques minutes. 20 minutes. À peu près 20 minutes, j'ai craché. À peu près en 20 minutes, paf, première broche. Bien joué. Allez, c'est parti. Allez, go. Je vais lui mettre des chapeaux. J'ai pas filmé depuis le début de la conversation où il se moque ouvertement de toi en te prenant pour une merde. Oui. Mais exactement. Tu peux recommencer là ? Didier, t'es vraiment une grosse merde. Hein. Ouais. Tu vas avoir un nez rouge. Bouge pas trop. Ne bouge pas trop. Il a vraiment le. Ne bouge pas trop. Voilà, là t'as un nez rouge maintenant. Ok, d'accord. Il a vraiment la colère dans ses yeux, je vais me casser. Ouais. Heureusement, il a pas de pelle. C'est bon. Non, mais tu veux pas savoir ce qu'on peut faire avec un montage. Oh, bah je ne veux pas savoir. Bah tu vas le voir, t'inquiète pas. Un petit nez rouge. Ok. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Oh, un bonnet d'âne. Ah oui, un bonnet d'âne, ça tirait bien. Ouais. Avec le nez rouge. Et un petit son derrière. Un petit son. Ah oui, tout à fait, une petite musique, tu sais, un peu à la Benny Hill, un truc un peu. Tu vois ce que je veux dire, toi l'abonné qui regarde. Non, toi le pas abonné qui va t'abonner d'ailleurs. Est-ce que quand même. Oh, rien. Hop là, on va faire un cheval. Tu vas pouvoir les collectionner. Ah oh là là, il y a encore les coups. Allez. Il est sûr, oui. Il engage sa réputation. Sûr de son coup là. Ah oui, t'as engagé ta réputation sur ce point. Il n'y a pas de problème. Ils vont pas le croire. De peu. Il manque 20 cm. Ah, on leur dit ça m'arrive souvent. Autant que ça. Ah bah oui. C'est ton son, Didier? C'est ton son? Oui, bien sûr, c'est mon son. Ouais. Je fais au trou là. Ouais.
C'est très clair. S'il n'y a rien, c'est pas mon son, c'est le sien. Voilà. Et si par contre on sort quelque chose, c'est mon son. Ok. Yeah. Bah, j'orienterai la caméra vers. Ra. Non. Allez, allez. Bien joué, Didier. Et en plus, c'est moi qui fais le montage. C'est moi qui fais le montage. Donc, c'est ouais. Pascal. Bon, désolé, hein. Bien joué, Didier. Ouais. Ça sert au trésor. Eh hein. Oui. Allez, bâtard. La team Ferraille. La team Ferraille. J'ai été un tout petit peu aidé parce que j'ai eu un soutien, mais vraiment ouais, tout petit. Hein. Hey, bravo. Bien joué. Découvreur des trésors. Un mot pour le gagnant là pour l'instant. Bien joué. Bien joué. Tu fais une vidéo en fait. Tu fais des vidéos non. Non mais je piquerai la vôtre. Il a rien gagné du tout. D'accord. Bon allez c'est lui. On lui paiera une bière ce soir quand même. Ouais, ah. C'est lui qui. Parce que c'est un gars sympa et qui vit en camion. D'être devant le... Bon ça t'as fini, t'es chiant là. Allez va trouver des bouts de ferraille là. Ça c'est coupé ça, fais pas de soucis. Tu feras bip. Ça hein je ferai. Même pas, je. Si tu mets bip. Ou tu mets autre chose à la place, tu fais une voix, tu fais. Oui. Je sais pas, tu fais. Toi, tu fais le montage en plus. Oui, mais oui. Vidéo, je t'ai dit, Minecraft, t'as intérêt à te préparer. C'est bon, on a fini là. C'est on peut... fini là. C'est bon, merci. Merci, au revoir. Caméraman. À quoi de chose tu avec le pendule, j'avais dit qu'elle était là là-bas. Mais t'as raison. T'as raison. Bien joué. Oh, j'étais pas loin. Un P. Un P. Ouais. Non, Didier est passé par là. Ouais. Oh le pauvre. Pourquoi ça charme comme ça? Parce qu'il est pas là donc. Ah oui, c'est pour profite. Ça. Okay. Les absents ont toujours tort. Exactement, surtout lui. Oh. Oh. Oh, c'est quoi, c'est pas à nous. Non, mais. C'est pas à nous. C'est un poignard. C'est mais un. On parlait des broches perdues par les autres. C'est un poignard. Non, non. Ça sert pas à la même chose que. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je me dis que ça doit être une. Ah, tu sais ce que c'est? On l'a vu ce matin, il passait la griffe là, sur le terrain à côté. Ouais. Ah, peut-être oui, une dent de. Ouais. C'est pas impossible. Oh la vache. Ouais, c'est pas un poignard ici. Désolé. Bien joué. Ah, bien joué. Le deuxième. C'est vraiment le hasard. En fait. C'est lui. Trois sur trois. Bon allez, un petit mot pour une conclusion sympathique. On est en fin de journée, on a terminé et on vous montre à l'écran ce qu'on a trouvé avec toute la bande qui était avec nous. Le chef de projet, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, écoutez, je voulais déjà remercier vivement l'équipe des chasseurs de trésors qui nous ont permis, sous cette belle journée ensoleillée, de retrouver les trois fameuses broches qui posaient problème sur l'hippodrome et qui auraient risqué de mettre en péril les chevaux et de devoir annuler la saison des courses. Donc on a avec brio retrouvé les trois broches et plus encore puisqu'on a retrouvé des anciens fers, des clés, oui, des, comme on peut voir à l'écran, qu'on va vous montrer. Oui. Et donc ça permet vraiment de sécuriser la piste et de permettre le bon déroulement des prochaines courses. On te remercie de nous avoir accueillis aussi parce que quelque part on a fait un très très bon repas. Ça a été sympa. C'était une belle journée, très ouais, sympathique. Et puis, bon, c'est pour nous aussi une découverte. C'est pas de la détection mais c'était plutôt de la dépollution. Voilà, un peu en avance par rapport à la journée du 21 septembre. Allez, on se retrouve très bientôt. Merci.